Salut bonsoir, c'est Pologue, bienvenue sur Far Cry 5! Alors c'est... What the hell, bro? Je l'ai vu! Ah, oh, il a fait son smart, man! Pendant que je faisais mon intro en plus! Donc, bienvenue sur Far Cry 5! C'est le moment de continuer notre aventure! La dernière fois, on s'est laissé... On s'est pas laissé ici, hein? On s'est laissé... Ok, on s'est laissé ici, et lorsque j'ai ouvert le jeu, on m'a téléporté ici. D'accord, moi comprendo, amigo. Mais bon, il y a une cage de survivaliste ici, on va aller voir ce qui se passe. Let's go, les boys! Une chance que le jeu m'a téléporté ici, oui? Donc, note de survivaliste, la sec veut faire quelque chose à l'eau. Je me suis enfermé pour les arrêter, cette porte s'ouvre pas de l'extérieur. Ah, crochetage à distance. Ouais, ok, c'est bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, c'est bon. Message à la secte. Un pêcheur a fermé la porte à clé. Je n'arrive pas à entrer par ici. Je vais... Pardon. Je vais passer de l'autre côté de la rivière. Essayer de tirer sur la serrure. J'ai une chance sur 1 000 000, mais c'est ça ou rien. Ah, tacodac. Moi, comprendo, amigo. On va tenter le coup, les boys. Oh, je peux utiliser une tyrolienne. Let's go. Comme ça. Ok, le sniper, c'est ce qu'il a tenté de faire, en fait. Ça a marché? Oh, je peux pas réutiliser la tyrolienne, hein, fais chier dans le cul. Salut, toi, vendeuse. C'est la vendeuse d'armes. Bon, en tout cas, pas le temps de niaiser. Bah. Salut, chien chaud. Wouhou! Boom! Ça c'était amusant, oui. C'est vrai, j'avais des points de compétences à attribuer. Holy shit, guys. Attendez une seconde. 3, 2, 1. Wow! 3, 2. Je l'ai gardé trop longtemps. Wouhou! Quadra kill. Wow. C'est bon, ils sont tous dead. Oh shit, les ennemis arrivent, boys. Bon, vous savez quoi? On va prendre des dynamitos. Comme ça. Ouais, fucked up. Comme ça alors. Attendez. Coup dans la gueule. Méchant garçon, oui. Ok, un tir headshot ici. Un tir headshot là. Et un tir headshot là. Perfecto. Bye bye, amigo. Bonne nuit. Bon, je crois que je vais y aller, hein. Oh. My friend, what's up? C'est bon. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Magazine de talent. Ça me donne un point de talent? C'est ce que je comprends bien. Mais il y a tellement de cash, oui. Holy shit, boys. My goodness. On prend la drogue. Voilà. Attends, ici, il y a quoi? Encore plus de drogue. Et that's all, hein? Je crois pas qu'il y a autre chose. Mais je crois pas que je vais prendre ce gun. J'aime bien le gun que j'ai en ce moment. Avec le scope, honnêtement, là, c'est cool, c'est drôle. On va prendre cette arme. Là, donnez-moi une seconde. Bam! Méchant garçon. On va prendre le couteau de lancer. Ça. On va prendre les grenades et ça. Cocktail Molotov, juste pour le plaisir. Let's go. Man. Ok, attends. Toi là! Cocktail Molotov, juste pour le plaisir. Et incroyable. Mais bon, mon chien va s'en occuper. C'est pas si pire que ça, en fin de compte, hein. Non. Attends, mon chien est en train de brûler. Ça, c'est no good, holy shit. Yo, Pepito, t'es correct? Ok, Pepito est correct, c'est perfecto. Anyway, pas le temps de niaiser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la quête principale, l'eau. Et c'est un... Tandetto. C'est... Les cinglés ont pris le contrôle de Folzé. Est-ce qu'on y va? Rentre là-dedans, Polo. Polo, what? Non, je pouvais pas rentrer là-dedans. Changer de siège? Good shit! Kill. Faut que je conduise bien, man. C'est pour ça que j'ai pas encore mon permis de conduire. Ah ben non, c'est une blague, les boys. Oh shit, ça tire ici, oui! Moi, je veux pas vivre dans cet endroit, ça tire à longueur de journée! Yaha!
Ça c'était drôle, oui. Méfie-toi en approchant de Fall's End. La secte contrôle toute la ville. Tu vas devoir sauver Marie et Jérôme. Et ensuite tu pourras mettre une bonne raclée à ces cinglés. Terminé. Alright, boss. C'est compris, boss. Vous savez quoi? Faut que je fasse ça comme ça. Et les renforts arrivent. Oh my god. Ce que je voulais faire là, c'est utiliser ceci comme ça. Bam! Voilà. Ah, ok, ça marche. Ok, good shit. Là, c'est bon, j'ai pu péter tout le monde. Pas de problème, pas de cacalino. J'ai pas besoin de fouiller leur corps, quoi que ce soit. Je crois que j'ai assez de munitions, etc. Donc, si j'ai bien écouté, il fallait que je libère des personnes ici, hein. Alors, on va faire attention, attends, ok. Attendez une seconde. Je crois qu'il y a de la mielta qui se passe ici, man. Sécuriser Fall's End. Oh. Shit, les boys. Oh, je crois que je vois les deux otages. En fait, je vois plusieurs otages, oui. Vous savez quoi? On va faire une petite mission de reconnaissance, c'est bon? Est-ce qu'ici il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a pas d'ennemis, ils sont tous dans la rue en fait. Ils sont tous dans la rue quasiment. Alright, est-ce que je peux aller en haut et les sniperiser selon vous? Ah, fuck my life man, je peux pas le faire. Mais je peux rester là et essayer de faire ça ici. Oh, y'a un sniper là. Oh, what the fuck guys. Alright, c'est bon. Donc, je vais pas me la jouer furtif. Je sais que si tu joues furtif, ça te donne plus de trucs là. Mais bon, je vais éviter d'utiliser des grenades parce que là, il y a des ennemis. Alors là, j'ai une idée. Non, si je fais ça, l'animal peut tuer un innocent. Alors on va jeter ça là-bas. Ça va attirer le monde. Là, attends. Toi, je vais te tuer avec un... Bah! Non! Oh! En haut comme ça, alors. Oh, fuck my life, man. Mais bon, en tout cas. Je voulais me la jouer de façon furtive, mais... Wow! Comment t'es allé en haut, mon gars? Oh, tu viens pas sur moi, hein. J'espère que tu viens pas sur moi, Pépito. Shot, c'est bon? Ouais. Ok, good, good, cher. Attaque-le, attaque-le, that's it, that's all. Je suis en train de recharger, tabarnak. Good. J'essaie de trop faire des headshots, mais c'est pas nécessaire quand j'y pense. Wow! Yo, Pépito, comment ça t'es down? Holy shit! C'est un élu aux commandes, un soldat d'élite de la secte. Prends la cible à revers. On est tous foutus. Ouais. Je crois que je vais utiliser ça. What? Oh fuck, guys! On prend plein la gueule. Ok. On va prendre ça. Je passe à l'attaque. What the? B! What did you do? What? Woo! Yo, mon armure et mes vies est tout enlevé one shot, holy shit man. J'ai pas de medkit avec moi, ça fait chier dans le cul. L'ennemi. Oh, t'es le king toi. Ici t'es le king. Petit couteau dans la gueule. Hey, fucked up. Il peut pas survivre à une grenade, come on. Notre grenadier alors. Wouh, je savais qu'il pouvait pas survivre. Good shit! C'est quoi? Pow! Wouh! Je vais te ranimer, ma boy! Je suis désolé, mon petit chien chaud! D'où viennent les shots? What? Ok, mais je suis supposé faire quoi? Je suis supposé faire ça selon vous? On m'a sûrement dit quoi faire, mais j'ai pas écouté parce que j'étais trop occupé à attaquer les ennemis et tout. Mais comment il me pointe une lance-roquette ou quelque chose comme ça, voyons donc. On doit démolir
Ok, mitrailleuse. Ok, ok. C'est bon. En plus, on m'avait dit que l'objectif est là. Gucci. Je vais te ranimer, ma belle. Tellement occupé à faire plein de trucs que j'ai pas regardé ça. Alright. J'ai un chien chaud à aller ranimer, mais on dirait que c'est trop tard, oui? C'est nice! Ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est nice! Et la mort ne sera plus ni le deuil, ni les cris, ni les pleurs. Car je sais quelles pensées j'ai sur vous, dit l'Éternel. Des pensées de paix, pas d'adversité, pour vous donner la fin que vous attendez. Ah, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais je sais reconnaître l'espoir. Tu t'es fait une belle réputation, officier. La vallée n'avait pas eu de meilleures nouvelles depuis bien longtemps. Un petit coup de main? Tu essaies de te briser le cou? C'était une bonne idée sur le papier. Et t'en rajoutes? Merci. Ah merde! C'est vous? Pardon, j'avais pas bien... Avec tout ce que vous faites déjà, vous vous tapez aussi les déménagements, donc... Je pensais qu'Eden's Gate avait tout confisqué. Quel genre de Fairgrave je serais si j'avais pas une réserve secrète? J'ai appris des meilleurs. Cette ville, elle a souffert, officier. On te doit beaucoup, mais... Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais pour tout dire, il y a un paquet de gens ici qui ont besoin d'aide. Le pasteur et moi, on fait tout ce qu'on peut, mais... Si tu pouvais nous donner un coup de main, on t'aiderait en retour. Qu'est-ce que t'en dis? Chinese boy dit oui! Oh. Marie va tout expliquer. À l'occasion, viens me voir à l'église. Je serai là. Si la secte ne rase pas l'église, ouais, ouais, je serai là. Ouais, ok, c'est good. Bon, ben, communauté libérée, plus 900 RP, yeah! Mes frères, mes sœurs, quelqu'un ne respecte pas les règles. Quelqu'un se sert dans nos réserves. Il vole ce qui appartient au père. C'est un meurtrier et un lâche. Mais Dieu le voit. Et Dieu va nous guider jusqu'à lui. Nous lui mettrons la main dessus et nous le châtirons. Telle est la volonté du Père. Ouais, vous êtes fous dans la tête. Bon, regardons cet endroit, ça a l'air de quoi. Bon, il y a un magasin d'armes, ben, magasin général, un garage et plein de véhicules partout. J'ai aussi deux missions principales, une là et une là-bas. Ouais, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce magasin. Let's go! What's up, Pipito? Il y a un vieux vétéran qui habite par là-bas. Il a du mal à marcher. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ça me rassurerait si vous alliez vérifier qu'il va bien. Ouais, ok, j'ai pris un truc de pêche, c'est bon. Donc, j'ai beaucoup de points de compétence. J'espère que j'en ai assez pour prendre ce que je veux. J'en ai 11, voilà, j'ai économisé beaucoup pour avoir ceci. Une arme supplémentaire. Magnifico! Oh, ça c'est very, very good! Alors, je vais garder mes points de talent. Ouais, j'ai 10 points de compétence, mais points de talent, c'est la même chose, ouais. Et ce que je vais faire maintenant, je vais encore garder mon chien chaud. Il est super good. Mais la face, c'est que j'ai vraiment, mais vraiment envie. Oh, je peux pas débloquer ça. Obtenez le talent meneur d'hommes pour débloquer le deuxième emplacement d'un squad en mode solo.
Meneur d'homme. Ok, on va chercher ça. Donnez-moi une seconde, je vais voir c'est où. Si vous le voyez, dites-le moi. Hein? Ah, c'est ici! Donc, ah, il faut que je recrute 3 experts en tout! Alright, ok. Pour l'instant, je peux rien faire. Mais bon, achetons des trucs! Munitions, non, j'en trouve partout. Les armes! J'ai 2 700 $, alors... Les armes de poing, non? Je veux dire des armes encore, non? Armes de poing, pas besoin. Shotgun! Est-ce que je prends un shotgun avec moi? Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Donc, on va mettre ça ici. En tout cas, c'est gratuit! Je vais pas... Non, je vais pas mettre de lunettes ou quoi que ce soit. Oubliez ça. J'ai pas d'argent pour ces trucs-là, man! Faut que j'économise! Pour l'instant, ouais. C'est good. Objet. Pas besoin de ces trucs-là. Pour l'instant, je vais économiser mon argent parce que je sais pas si plus tard j'en aurai besoin pour faire de quoi ou des trucs comme ça, là. Alors, pour l'instant, c'était Guidou. Merci beaucoup. On va aller chercher l'émission. On va voir ce que vous avez à nous offrir. Stop. Je me demandais à quel moment vous alliez passer. Merci. Carte des cascades de clutch. Je sais pas quoi. C'était tellement rapide. C'était pas incroyable. Un sacré culot pour débarquer en ville comme ça. Face aux cinglés, la plupart des gens baissent les yeux. Les autres ont droit à une correction. Mon père a été l'un des premiers à leur tenir tête. Chaque fois que ses tarés venaient chercher les emmerdes, il sautait dans son camion pour les chasser de la ville. Il l'adorait, ce camion. Il l'appelait le Widowmaker. Et ses ordures lui ont piqué une semaine avant sa mort. Merde. Vous voulez vraiment faire chier la secte? Récupérez le Widowmaker. Montrez à ces malades qu'on va pas se laisser faire. Et rendez un peu de fierté aux gens d'ici. Ils tiennent le camion sous bonne garde, à l'est, près d'un silo à céréales. Mais je sens que vous serez à la hauteur. Oh, ma bad! J'ai pas fait exprès! Oh, une chance que t'as terminé de me dire ce que tu voulais. J'ai pas fait exprès, je suis désolé, mon ami. J'ai tout pillé, oui. Merci beaucoup. Mais elle s'en fout. Toi, t'as une quête pour moi, hein? Vous savez ce qui manque à cette ville? Des couilles. Je suis très sérieux. Le festival annuel de testicules de Falls End est une vieille tradition. Le festival, comme on l'appelle. C'est l'occasion pour la communauté de se réunir pour profiter d'un de ses plaisirs, gober du caviar de cow-boy. Cette ville a bien besoin d'un boost moral. Et si vous n'avez pas le visage illuminé en vous goinfrant d'huîtres des rocheuses, alors moi je sais plus quoi faire. Le problème, c'est que le festival a été annulé à cause de cette foutue secte. Mais il est hors de question que je sois le premier cuistot à pas servir de huevos colorados et une tranche de bonheur. On peut le faire. Mais avant tout, il faut qu'on récupère le matériel du festival. C'est un gamin du nom de Kenny qui les a rangés dans la vieille grange. Je commence les préparatifs pendant que vous allez me chercher ça. Vive le festival! Le festival, pardon. Et j'aime comment tu coupes les légumes, mon gars. Très, très, très intéressant, mec. Ok, selon vous, y a-t-il autre chose ici d'intéressant? Non. Tu veux voir un truc de fou? Joue à ça. Tu veux que je joue à ça? Oh, je peux jouer à ça! Ok, arcade. Ok, ouvrez arcade. What the fuck? Donc, joue en solo, coop, joue en multijoueur. Joue en solo. What the fuck? Ah, ok, oui, ok, non, je sais c'est quoi, c'est l'éditeur de map. C'est un peu comme Mario Maker, il me semble. Les gens peuvent créer des maps et tu joues là-dedans, des trucs comme ça. Si je m'en rappelle bien, c'est ça. Si je me trompe, je suis désolé. En tout cas, y a-t-il autre chose à faire ici? Mais joli festival qu'on va avoir dans quelques instants, oui. Prends. Tu es devenu un citoyen d'honneur de Falls End. Oh, lire. Ordre pour la récolte. Les fondrements approchent. John veut qu'on stocke un maximum d'engrais enrichi de grâce dans ce silo. Attention, en le manipulant, il explose facilement. Ensemble, nous marcherons vers l'Eden. Bonne de fou, man. Bon, allez, on va piller ça. Very, very good. Est-ce que je prends une roquette? Ok, on va prendre une roquette. Ça va être amusant. On va faire exploser les gens, oui? Il y a autre chose ici. Il y a rien d'autre ici. Alright. Et là-dedans, est-ce que je peux rentrer là-dedans? Oh, alright. Fusil plus 10. Quoi d'autre? Oh! Ok, détonateur. Là, je pouvais prendre...
Salut vieux, c'est Bert. Ça fait un bail. J'espère que tout va bien pour toi. Hein, quoi? Coffre! Ouvrez les coffres en utilisant des explosifs télécommandés. Obtiens le talent crochetage ou chalumeau pour ouvrir les coffres sans explosifs télécommandés. Alright, bon ben, puisqu'on m'a dit de le faire, je vais le faire, je suis désolé mon ami. Et là. Ça n'a rien d'idéal, mais parfois, pour s'en sortir, faut savoir faire des compromis. Merci pour le cash. Non, pas besoin de ça. Alright, je crois que j'ai fini de piller cette maison, hein. Ça n'a vraiment pas sa place ici. Bon ben, y a où l'autre mission? Ah, ok, il est là-bas. Ok, on va chercher cette mission juste pour voir ce qu'on doit faire et ça va être petit guidou. Après, on peut faire des trucs. Ça va être super génial. Mais avant tout, est-ce que je peux aller là? On dirait que non. What's up, boy? Viens voir, officier. Oui? C'est vraiment un plaisir de revenir à Fall's End. Je suis heureux de voir que tu t'impliques. On a besoin de toi. Comme tu le vois, John Seed est la cause de bien des souffrances. Et très franchement, je suis dépassé. Ces gens ont besoin de moi. Ils sont sous ma responsabilité. Mais ça veut dire qu'il m'est difficile de suivre les activités de la Résistance. À l'occasion, tu pourrais t'assurer que tout va bien à l'élevage de porc des Woodson à l'est? Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours et ça m'inquiète. Ah. On ne peut pas se permettre de perdre le moindre partisan. Pas de problème, oh amigo! Donc le shotgun, je ne vais pas prendre ça. Ça, non, je vais pas prendre ça. Non, j'ai besoin de rien en fait. Waouh, beaucoup d'âmes dans une église, ça fait vraiment bizarre pour être honnête avec vous. Donc, est-ce que j'ai oublié de quoi dans cet endroit? Non, il y a juste des magasins maintenant, hein. Attendez une seconde, on va ouvrir la carte. C'est ça, il y a juste les deux magasins, les deux icônes, je les vois, mais à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. Pas d'autres missions principales, là. Ok, alors, regardons quelque chose. Allons dans le journal. Donc, ici. Il faut que je fasse ces deux trucs, hein. Ces deux-là, là, c'est pour plus tard. Pour beaucoup plus tard. Mais là... Damn. Je sais pas ce que je voudrais faire tout d'abord. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, point vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.